Petite bande d'épais. T'arrives d'où? Qu'est-ce que ça te fait, ça? T'es aidé, là. Hein? Ok, qu'est-ce que vous me voulez, là? Mais là, bref, peut-être aller voir le bien de la gueule, là. Yeah, où tu vas de même, là, on jase. T'es où? C'est de l'argent, c'est toi? Non. T'es où, l'argent? Quel argent? Allô? Allô? J'ai pas d'argent, j'ai pas d'eau, pis je sais pas de quoi vous parlez. Ouvre ton manteau. Non? Ouvre ton manteau, si t'as rien à cacher. Hey, vous avez pas le droit de faire ça, ok? Pis si vous me touchez, là, ben je vous poursuis. Parce que Guillaume, elle dit qu'on chante quand il a volé. Ouais. Ça va être l'heure en arrière. Quand ça? Après l'école. T'as pas peur, toi? Martin, il y a un gun, là. Si les autres voient ça, ils vont nous tirer. Va à la police. Non, non. Oui, ils font. Qu'est-ce qu'il faut, c'est d'y expliquer, là, que c'est un piège. Mais ça en est-tu un? Je pense que oui. Je choque le sérieux, là. Je choque Isabelle. Mais tu iras pas d'abord. C'est pas une question de peur, c'est une question d'intelligence. Vous autres, c'est sûr, vous voyez juste le crime? Pas ce que ça nous donne? Ben oui, c'est sûr. Si le crime était si payant que ça, l'espérance de vie serait de 80 ans. C'est pas le cas. Surtout pas les petits brillants qui veulent aller jouer dans le cours des grands. Ils sont allés où, là, Martin Guillaume? Ah, comment, je vais pas vous saouler, sti. Ok, on a trouvé un fournisseur. Il nous fait crédit en attendant qu'on vend. Oh, Chris. T'es où? C'est pas pour toi, ça. T'es pas fait pour ça. Mais qu'est-ce que t'en sais, toi? T'es un chien, t'es prêt à fermer ta gueule. Tu vas te faire tuer. Y a-tu dressé ton char? Je prends l'air. Cap, avec Jean-Baptiste, t'auras pas de problème si tu fais ce qu'il demande. Regarde-moi, il m'a toujours bien traité. Mais oui, parce que t'es noir comme lui, comme Pat. Moi, je suis pas de votre gang. Y'en a des blanches en gang. Ils me donnent des cadeaux, de l'argent, puis ils me protègent. Mais tu fais ça exprès pour chercher le trouble? Bon, c'est assez, moi, je pense. Ils vont venir te chercher. Ils viendront. Maya, merde. Ils me niaisent. Ils sont en train de faire un meeting, je peux pas te laisser partir. Essaye de me revenir pour voir. Please. Maya! T'as déjà tiré sur quelqu'un, toi. Pas peur, je sais quoi faire. C'est pour ça la question, là. Tu me fais pas confiance? Parlez. Mais qu'est-ce que tu fais là, là? J'ai jamais tiré, calice, même pas sur une table de bine. Fuck you, Bissonnette. Fuck you. C'est pas correct ce que ton frère a fait, on voit pas les gens comme ça. Il m'a rien fait. Il m'a pas envie de me dire. C'est pas lui. Regarde, arrête ça, là. Je suis arrivé chez mon frère demain, ok? J'ai pas rien fait. Ah ouais, un fight. Avec qui? Il me semble que ce serait normal, non? Puis si c'est moi qui l'ai tapé en premier, ça va quoi? Tu vas m'arrêter, moi? C'est ça? La musique de tes parents, des fois, ouais. Mais tu devrais t'en aller, eux autres, parce que moi, mon père, l'année passée, il est mort. Hey, t'es pas à ma place, ok? Hey, t'es pas en train de mourir, là, hein? Mais Bruce, il me l'a dit qu'il t'a frappé. C'est pas vrai, ça. C'est juste pour me protéger. Là, il a peur pour toi. Puis il sait plus comment te dire pour te faire comprendre que ta vie est en danger. Fais pas l'épée. Ça peut pas bien finir. Pour toi, tu veux dire? Peut-être. Peut-être que ça va pas bien finir si tu mets ton nez à mauvaise place. Il connaît JB. Il sait ce que tu fais avec lui. T'es triste? Ah, regarde-moi. Martin, c'est ton chum. Il va peut-être mourir. T'es triste, c'est normal. Tu sers personne. Je me demandais si c'était pas pour me provoquer.